vais un petit peu partout en ce moment. Ouais, en fait là j'attends pas mal. Content d'être au Sanska? Ouais, bah oui, hein, c'est ma première fois. Je suis à France depuis 6 ans et demi maintenant. C'est ta première fois? C'est ma première fois. T'imagines? Ouais. C'est étonnant. It's the time, so it's cool. Bon. Yes. Alors, si tu veux, on va faire la follow, l'interview toute en anglais. Hein, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour Sarah. Flowers, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le tout dernier album qui est sorti. Flowers, your last album released. You're promoting it. What's your, I don't know, impression about the tour you're going with? So Flowers so far is actually really nice because it's also musically it's a lot different than the reggae songs, and it's really nice to see how people are receiving it. And like, won't lie, I was a bit like not afraid but a bit nervous about how people are going to react to the new set because I know people love like my reggae songs, but like I feel like I want to express myself differently, so I just went with it. And it's really l'album, du coup, Flowers qui change un petit peu parce que c'est pas exclusivement reggae, c'est un album qui mélange un petit peu les styles. On est extrêmement curieux de voir comment ça va être reçu par le public et ça s'est plutôt bien passé. On était content de voir les gens réagir justement et se rendre compte que ça passait très bien. Alors actuellement, elle est en tournée avec justement, je disais tout à l'heure, Supamana, avec qui elle forme un duo magique. Supamana, Sarah Lugo, en combinaison, c'est quelque chose sur scène, il faut le voir pour le croire. C'est vrai. comment s'est fait cette connexion avec Supamana? Comment c'était? How did you connect with Supamana? Right. So, je vais essayer en français. Hein. Si tu veux, ça n'est pas une obligation. Je l'avais tenté avant, presque 8 ans. J'ai tenté avec Nama. Et le booking, cette idée de faire ses coups. Alors on a essayé ça, mais le début, je parlais pas du tout français. 0-0. Je parlais pas du tout anglais. C'était vraiment drôle parce que tu vois, en mode communication, c'est vrai. Et après, on a fait une correspondance. Le patron. On a juste créé une autre langue, tu vois. On a mélangé tout et finalement, là. Ouais. Et ça c'est une époque en plus quand tu l'as rencontré sous Supamana, c'est l'époque où il y avait aussi Pauline Diamond qui chantait régulièrement aussi avec vous sur certaines tournées. Non, elle n'était pas avec nous, mais elle il y avait Don Camilo aussi, c'était Don Camilo, ouais, Pauline Diamond. Ouais. Voilà, avec Supamana justement, et toi tu te retrouvais des fois à venir chanter avec eux. On avait eu l'occasion de voir cette formule selon le Italian Garden d'hiver. Ouais, je voulais juste faire ça. Voilà, la formule avait été archi extraordinaire. C'était un gros souvenir. Du coup, c'est vrai que c'était en 2015 ta première tournée avec Supamana. Du coup, voilà, est-ce que tu es contente du coup de remonter sur scène avec elle et de continuer à faire des trucs? Là, j'ai trouvé juste un meilleur balance pour pas mettre, tu vois, je prends
et tu gardes ta balance et tu, voilà. Et là, c'est nice en fait. Ouais. Il y a des projets d'album peut-être à venir. Bon, Flores est sorti il n'y a pas si longtemps, mais on sait que tu es très hyper active aussi, tu aimes bien te concentrer à l'avance sur les projets. Tu as déjà quelque chose en vue? On est en train de travailler. Do you want to speak in English or you want to speak in French? I can translate. Je suis sûre de faire l'effort, je vais essayer, mais après si j'arrive pas, je vais essayer, tu vois. Okay, so I will speak slowly in French. Okay, so tu fais partie ce soir, ce week-end, au Reggae Sanska, des 6 femmes qui sont présentes. Que penses-tu de la représentation du woman power here in France in the reggae music? What do I think of woman power in France?
but when they're French, they have their accent, which is a beautiful thing. Don't get me wrong, but no, it's not meant in a rude way at all. But for international market, that's complicated. Not complicated, but like I think it's going to be harder to reach more people. But then again, music is nice. Elle aime bien si ça j'arrive, elle a beaucoup apprécié. Après, honnêtement, elle ne se souvient pas forcément de trop d'artistes reggae françaises qui l'aient forcément marqué. Ça peut être aussi voilà, quelque chose à dire aussi. Et l'accent français. L'accent français qui ne le prenait pas mal est très joli, mais qui ne passe pas forcément hyper bien dans ce style musical. Ça peut être un petit peu délicat. Bon. Et also, désolé, because I should be into this more. I'm gonna go home and do my research because actually that's not right. Non, mais après, c'est vrai qu'elle veut rentrer chez elle et faire ses recherches pour. Parce que voilà, en fait, il faut que je fasse ma research. Mais c'est vrai que dans le monde du reggae, dans le monde du reggae français et international aussi, il n'y a pas énormément de femmes qui sont représentées, ce qui est un petit peu dommage. Toi, t'as vu... Il y a quand même plus de France, mais là, je suis pas à mon tac, tu vois. Ça veut dire que je suis vraiment pas très proche, tu vois. Like, I'm not very familiar with it, and that's... Ouais, je suis persuadé qu'il y en a une que t'as peut-être déjà rencontrée, pour qu'elle habite. Ah oui. Exemple, tout comme Sista Jahan, tu vois, font partie des femmes qui ont une grande importance maintenant dans le reggae, qui ont montré et démontré que voilà, la femme avait totalement sa place dans le monde de reggae musique. Il y a la reconnaissance qui arrive, même, bien sûr. Exactement. Une autre question, Vika. Eh bien, tu es d'origine germano-portoricaine, tu chantes en anglais. Est-ce qu'on pourrait s'attendre également à t'entendre chanter en allemand ou en espagnol sur tes futurs albums? Yes. Oui, ça arrive un truc en fait. Ah, c'est cool. Something is coming soon. Which one? Something English or Spanish? What do you think? Spanish. You can drop it now in the comments. Spanish? Or German? I don't think for Spanish. Yes, Spanish. Sounds good. Yes, sounds good. Okay. You mix in French. Oui, we follow in French. Tu réalises des mélanges de styles magnifiquement bien. Comment est-ce que tous les styles que tu rencontres t'influencent pour faire tes albums? Et si je peux me permettre, est-ce qu'on peut s'attendre à un futur album dub? For the future dub album? Tu parles de quel dub en fait? Tu parles de dub français, direction Bigara, Superman and tout ça? Like you did before. Alright, not the dub one. Alright. Là c'est pas prévu, mais who knows? Everything's possible. There's a lot of great stuff happening there, so it's definitely an option. But not the main focus right now. Oui, surtout que si je peux me permettre, en plus, Sarah ne fait pas que du reggae, tu chantes sur des musiques totalement différentes. Exactement. Du reggae. Et puis Flowers est très hip-hop aussi, comparé aux autres avant. Tu as mis plus de hip-hop into Flowers. Ouais. En fait, là, en France, I'm experimenting a lot with spoken word. And when you write also, yeah, I write different now, you know. Like, I used to write from a point of listening to music, having an instrumental, having a rhythm. Then vibing on it, finding a melody, and then you find words on a melody. That's all you used to work with. Now, like lately, the process is different in a way that now I'll have moments of reflection, and then when a moment comes, I'll start writing. But I start to write without music, so what I'm saying is really what I'm saying, and the words come. And usually, in the early beginning stages of writing, it comes to the point where like it starts to.
C'est-à-dire qu'elle écoutait la musique, ça la faisait vibrer, et c'était de là que venait l'inspiration, les mots, etc. Et là, elle s'est retrouvée dans une situation où elle commençait à écrire d'abord, pour dire vraiment ce qu'elle avait sur la conscience, ce qu'elle avait envie d'écrire, ce qu'elle avait envie de dire. Et quand on fait ça, quand on arrive à faire ça, eh bien, les mots ou leur musique eux-mêmes, qu'on arrive à transmettre un peu, et ça peut donner aussi une ouverture un peu sur l'hip-hop, du coup, forcément. Dernière question, Lucas. Ouais, bah écoute, je fais une dernière. On va parler de ton album Sarah Legos and Friends, puisque tu as fait des feats, tu as rencontré énormément d'artistes jamaïcains. Comment tu organises tes collaborations? Et je te remercie pour tes réponses. Alors, les collaborations, c'est un truc qui, je sais pas, bah, ça arrive en fait, tu vois. Moi, je suis dans le reggae et tout ça, de la musique, et puis, plus vite comme ça, parce que là, même en ce moment, là, tu rencontres, like, you meet everybody, sooner or later, at some festival, and just link up, and naturally, the music is going to build and create, like, a connection that, yeah, you want to connect musically, you know? So, a lot of the features just happened, and then others were requested. Like, yeah. Like connection. Do you have questions about any particular song? No. Do you have a favorite one on the album Flowers? On the Flowers? Yeah. All right, that's a different album. Which one? Yeah, yeah. But the featuring with Kaba Kaba Remix, for example. Donc en rapide, du coup, la première question concernait Sarah Lugo and Friends. Du coup, elle demandait un petit peu comment s'étaient passées les collaborations, comment les rencontres étaient intervenues, et la réponse était tiens, bah, c'est un petit peu arrivé comme ça, c'est-à-dire que c'était des rencontres au public qui ont pu se faire aussi par les connexions, etc. Et puis la question qui était en cours, c'était de savoir quelle chanson, quel projet en particulier, et elle a répondu Flowers, qui est un différent album. Oui. Donc on en était là, et Kika, je te retourne le mic pour que tu puisses finir ta question dans de bonnes conditions. When you meet Kaba Kaba Remix, you're featuring with him, and I like it. So I think, can you explain it? Alright, so the song with Kaba Kaba was Who Won This, and it was the regular rhythm. Like, regular took this rhythm. It's originally from John Hunt. It's like our remix, actually. And they recreated the rhythm, and then they made a selection that was the first regular selection. I think it had 25 artists, which is a lot for one selection. And there was a lot of versions, but there was none that was like representing the original song. So they gave me the second instrumental, and I was like, hey. So I listened to it, and I was like, oh, but I know this song. Like, so I naturally sang along, because that's what naturally comes to mind when I hear the music on it. So yeah, we spoke about it, and then they were like, oh no, actually nobody did that version. And I was like, well, that would make sense. Just, you know, in terms of like, show respect to the original song also, on a selection that is like, you know, well like, represented song. So we did that, and then so it could be nice to come. Alors du coup, Kika disait que sa chanson avec Kaba Pyramide lui avait énormément plu, et du coup la réponse de Sarah était de dire, bah oui, alors c'était un peu cette expérience aussi, parce que c'était un original de John Holt à l'origine qui était choisi, mais il y a eu 25 versions de la chanson, parce qu'elle a été refaite, recomposée, beaucoup de versions, et aucune qui représentait, c'est énorme, et aucune qui représentait réellement l'original, rendait honneur à l'original, et finalement il y a eu cette ultime version, qui a été de choisir une version comme vous savez. Ok, c'est une seule. Ça fait une version de Kaba 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 Kaba. On va dire merci à Valentin Company. Yes, every time. C'est du Il est juste là, je pense qu'il est parti. Because on the stage. Pick up every time Valentin. Yo, bam. On the stage before you did it. Yeah, he was there, so it was like, yo, he shot the video to this song, he shot so many of my videos. More Love, Growing the Jungle, Elevate, Better Way, like yeah, and you did it
enough on a big show, and you were dancing on the stage, and it was wonderful. Thank you very much. Thank you. And if I can ask you, if you can talk about your meeting with Bianca, maybe. Je vais parler une petite traduction juste rapide. Donc, tu la félicitais, tu disais que Valentin avait été à l'origine de ses clips et elle disait oui, heureusement je le big up à chaque fois parce qu'il est tout le temps là, c'est lui qui a tourné beaucoup beaucoup de mes clips et merci beaucoup à lui. Et pardon, ta dernière question c'était au sujet de Bianca. Voilà. Blanca, yeah. Bianca. Blanca is like such a cool dude. First of all, big up Blanca every time. Wonderful human, great producer, great sound and master engineer. Not really, yeah. I met him at the studio when we were recording with Faskashin and the song Joseph Cotton as well. And he passed by the studio because his studio was not far from there, outside of Paris. And we just met Vive, you know. And then afterwards he sent me like the instrumental, Four Flowers in fact. That was the first instrumental he ever sent me. And it took me a while to write on it, like, but that song like always had a vibe. And yeah, then I went to visit him at the studio and we started vibing and just music just started flowing. And we started a song and did another song and we did another song. And he kept, like, he caught on real quick what, like how I work musically, you know. Every time I went there, he was like, hey, look, I made this last night. I think this will work good for you. You want to translate? Thank you. Oui, du coup, la rencontre avec Blanca, c'était au moment d'une rencontre avec de l'enregistrement de Face Cachée et avec Joseph Cotton aussi. Le studio est un petit peu à l'extérieur de Paris. Ils se sont rencontrés vite fait, en français dans le texte. Et du coup, il lui a transmis tout de suite le rhythm de Flowers, qui a forcément tout de suite percuté pour elle, c'était une évidence. Elle a commencé à réfléchir, il y avait cette vibe, etc. Et puis, au fur et à mesure, il a tout de suite compris ce qui la faisait vibrer dans la musique, ce qui lui parlait tout de suite. Et d'une nuit à l'autre, il arrivait avec des nouveaux rythmes et lui disait, écoute ça, je suis sûr que ça va te plaire, ça, je pense que tu vas poser dessus. On va pouvoir vous remercier parce que dans quelques minutes à peine, je crois qu'on attend Ticket qui doit arriver dans un petit moment, un petit moins de 7 minutes. On va remercier Sarah, Hugo d'être passé du côté du point de conférence de presse ici même au Zenska. Toujours un grand plaisir de recevoir avec un éternel grand sourire. Toujours plein de d'émerveillement. Quand t'es avec des gens, avec des bonnes personnes, bah tu vois, there's no reason not to smile. Ouais. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir d'être avec toi. Prochaine date pour toi là. Dima, Forest Dima. Uh-huh. Ok. Avec Supermana. Dima. Yes. Yes. Scoop. Et le week-end d'après, on est on est à Winchester, at the Boomtown, okay. In the UK. Yeah. And then after that, there's the No Logo. Logo, BZH, présent. BZH. Yeah, I think it's that one. Oui. Yeah. Bretagne. Bretagne, BZH, ouais, d'accord. Ouais. With Lilaike, with Burning Spear, with Steel Pulse, yes. Many, many more. Il y a deux fiches parlées aussi, hein. Damien et Anne-Jean en parlaient. Yeah. Wicked. Bon, ça va, Hugo. L'actualité, de toute façon, sur les réseaux sociaux, on t'en trouve partout. Yes, definitely. Come follow the team, join the crew, join the love, the movement. Yeah, Instagram and all of the things. Voilà, et le dernier album toujours disponible, Flowers. Yes. On vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas en urgence, bien évidemment. Un grand merci, Sarah Hugo. Thank you guys. Et je te dis à très bientôt. Merci, bravo. On va pouvoir laisser les éditeurs de la musique avec la piste musicale. Scoop, scoop.